Il y a eu fusillade aujourd'hui, vers midi. Aujourd'hui, vers midi, dans une rue de Paris, à Paris, une fusillade en plein Paris, à l'arme lourde. 12 morts fusillés par 2 hommes en noir cagoulés. Moi, j'étais sur mon ordi. Les images tournent en boucle à la télé. Je suis devant la télé. Ils avaient une voiture noire. Ils s'étaient d'abord trempés d'immeubles, puis ils ont trouvé. Ils tirent une balle dans la tête d'un policier à terre. C'est une attaque contre un journal, Charlie Hebdo. Je ne connais pas ce journal. Je ne connais pas l'islam. Moi, je viens d'arriver. 12 morts, dont 5 caricaturistes célèbres. Ils étaient déjà menacés de mort. Ils caricaturaient Mahomet. Je ne connais pas Mahomet. Je ne connais pas l'islam. Moi, je viens d'arriver. Les images continuent de tourner avec des hommages aux 5 caricaturistes. Il y a 2 vidéos. Il y a 2 vidéos filmées par 2 téléphones. Une sur le toit de l'immeuble du journal Charlie Hebdo. Charlie Hebdo. Charlie Hebdo. Une vue d'en haut, filmée par des employés du journal, filmée sur le toit. Ils montent sur le toit pour se réfugier. On voit les 2 hommes en noir cagoulés. On entend les coups de mitraillette. Beaucoup, beaucoup. Le chaos vu des téléphones portables qu'ils filment d'en haut. La terreur, la mort. Les 2 hommes en noir cagoulés retournent dans leur voiture. L'un des 2 hommes hurle un moment. On ne comprend pas ce qu'il hurle. C'est trop haut. Ça continue. On pense que ce sont des djihadistes. Un acte terroriste. Une fusillade en plein Paris, en plein midi. L'autre vidéo filme d'un autre angle. On voit les 2 hommes en noir cagoulés qui sortent de leur voiture. On entend les coups de mitraillette. Le bruit. Et puis un homme à terre, un policier, blessé. Et puis on voit l'un des 2 hommes en noir cagoulés s'approcher de lui. Et lui qui lui supplie, non, c'est bon, chef. Puis l'homme en noir cagoulé pointe son arme sur sa tête. Puis coupure. On revoit ensuite les 2 hommes en noir cagoulés revenir vers leur voiture. On en voit un qui perd sa chaussure et la récupère. On les voit monter dans la voiture. On les voit partir. Et puis ça tourne en boucle à la télé. 2 hommes en noir cagoulés avec leur mitraillette qui tire, qui mitraille, qui tue. Un policier à terre encore vivant supplie. L'un des hommes en noir cagoulés s'approche. Et puis coupure. Et puis tout d'un coup, comme ça, la speakerine passe à la rubrique recyclage. Je suis perdu. Et ça revient. 12 morts fusillés dans 5 caricaturistes célèbres. Charb. Je me souviens que de ce nom sur les 5. Moi, je viens d'arriver. Ils étaient connus des Français. Ils représentaient la liberté d'expression. Ils ont été tués à cause de leur caricature sur Mahomet. La France entière est touchée. On appelle à l'unité nationale. Le plan Vigipirate est annoncé. Le président parle à la télé. Il a un débit de merde. Les images continuent de tourner. 2 hommes en noir cagoulés avec leur mitraillette. Tire, mitraille, tue. On entend le bruit des mitraillettes. Mitraillettes. On entend les cris des 2 hommes cagoulés. Cagoulés. La voix du policier qui supplie. Supplie. Sur le net, on voit la scène non coupée. C'est lourd, c'est glauque, ça s'est passé juste à côté. J'étais sur mon ordi, à Paris. Une fusillade en plein Paris, en plein midi. Et puis ça tourne en boucle, des bruits de mitraillettes. Un policier qui supplie et qui est fusillé à terre, une balle dans la tête. C'est horrible. J'éteins la télé.
Je pense à mon petit neveu en Nouvelle-Calédonie. C'est un beau petit bébé. Il a juste quelques mois, maintenant presque un an. Je chiale, je sais pas pourquoi. Il s'appelle sa mère.